Salut à tous, c'est Ingo, on se retrouve pour l'épisode 3 sur Assassin's Creed Origins. On était parti pour aller latter notre cher Medunamun qui se trouve dans le palais ici. Pitié, Alors il y avait laissez-moi des gardes là. sortir. Ma famille a besoin de moi. Ok, on peut passer par là. Oh! Qu'est-ce que vous. Payek? C'est toi! Fais-moi sortir de là! Qu'est-ce que vous voulez de moi? J'aurais peut-être pas dû faire ça. Je ne sais rien! Attends! Payek! Où est-ce que tu vas? Payek? C'est toi! On va le libérer. Fais-moi sortir de là! Toi, t'es mort. Ils ont enlevé quatre autres prêtres. J'espère qu'ils sont encore en vie. Cache-toi ici. Quitte le temple dès que tu seras certain qu'il y a. Ok. Il y avait une autre quête qui s'est affichée, je crois, mais c'est pas grave. On va faire l'objectif principal. Alors, il est où? On va aller voir là-dedans. Il y avait des flammes en rose ici. Ah, ils sont morts. Aux fidèles, pensez à rapporter les offrandes de valeur dans la grande salle du temple. On les a laissées trop souvent n'importe où. L'arc. Ok, là je peux pas passer par l'échelle, ce sera mieux. Rien ne dit que... Oh merde! Je t'éventre. C'est ça. Alors. Ok, on est complètement au sommet. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un gars. Ok, lui par contre je vais le déplacer quand même. Je vais le mettre là, c'est pas l'idéal mais bon. Graphite. Lieu terminé. Temple d'Amon. Ah d'accord, c'était un... D'accord. C'est un objectif secondaire. Ok, c'est là-bas. Oh, il y a du monde. J'aimerais bien utiliser la compétence E, voir. Ça a pas marché. Bon, c'est pas grave. Confirmer l'élimination en maintenant E près de la cible. Ah, c'était lui? Non. Ah, d'accord, je l'ai one shot, il est arrivé. Je l'ai carrément one shot. Je pensais pas que c'était lui.
Un peu faible en fait le gars. Toi, tu es revenu. Pour rendre la justice, je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant. La vie d'un enfant. Papa. Ils ont sacrifié son fils ou quoi? Ça serait une bonne explication. Oh, oh, pas loin. Allez, encore une fois. D'accord. Hey. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. Bien sûr. Bon. Lève, tends. Prêt? Oui. Oh, tu m'as fait rater. Kemu, par ici. J'ai trouvé la caverne des Yeng. La caverne, oui. Bah vas-y. Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 Yeng. Elles sont toutes noires et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Eh. Hey. Eh. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va chasser? Ah. L'oracle a besoin d'une peau de bouquetin mâle pour la cérémonie. Tu te tiendras à côté du pharaon? Pas vrai, Bayek? T'es le Medjay. Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du pharaon. Oh là, je fais rire. Tu seras jamais Medjay. T'as bien trop peur. C'est pas vrai. Et la grande Oyenne, alors? Je fais tirer une flèche sur le gamin, quoi. Ça suffit, vous deux. Le sable me brûle les pieds. Peut-être qu'ils vont prendre feu. Ça te fera aller plus vite. J'aimerais bien que mes pieds y prennent feu. Vite pour nous. Je peux venir? Non, ta mère t'a vu. Très bien. Voilà la cérémonie, Kemu. Au revoir, Shenzira. Le troupeau n'est pas loin. On n'est pas après n'importe quel mal. C'est le chef qu'il nous faut. Comment on le reconnaît? Le grand. Aux grandes cornes. Maintenant tais-toi. Fais comme moi. Oh, oh non, je leur ai fait peur. C'est pas grave. Ça nous fera plus de temps ensemble. À profiter de ces moments. Reste avec moi. On pourra le faire. Tous les deux. Touché. Voilà. Ça lui a fait mal. Un tir en plein cœur, mais c'est presque pas fou. Pot de bouquetin, ok. Allons chercher cette. Nous apporterons ça à l'oracle avant la tombée de la nuit. Un jour, je vais tirer une flèche à travers le soleil. Tu peux, à condition que ta flèche soit comme c'est nous. T'as raison. Si mes flèches étaient comme c'est nous, je pourrais chasser tout ce que je veux. Tu as dit que tu aimerais voir le pharaon de près. Oui. Et si tu venais avec moi à ses côtés? J'ai le droit? En tant que fils de Medjay et futur Medjay. Papa? C'est quoi un Medjay en vrai? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon. Mais ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Égypte. Pas seulement le protéger, mais œuvrer pour leur bien-être. Oh papa, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay? Tu le deviendras. Tu es mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux. Mais parfois, c'est dur. Attends. Passons par là. Tu sais, quand j'avais ton âge, parfois, moi aussi, j'avais peur. Ton grand-père était un Medjay de renom. Et il tenait à ce que je fasse honneur à la famille quand je lui succéderais. Oui. Un jour, il m'a amené sur ce chemin. Au sommet, il m'a dit quelque chose. Un seul mot. Ça m'a transformé. Un seul mot ? J'ai surmonté ma peur. J'ai compris que je pouvais tout faire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je te le dirai quand on arrivera. Bon, on va peut-être découvrir des trucs un peu plus.
Par où faut passer là? Et le petit va pouvoir grimper? J'ai l'impression qu'il a pas pu grimper. On va aller au point quand même, on va voir. Ok. Quel mot il disait ton père déjà? Saute. Ne réfléchis pas. Saute. Oui, papa. Allez, crois-moi. Tu peux. Je sais. J'y vais. Alors saute. Bon, reviens. Tu n'es pas encore prêt. Je peux le faire, papa. Je peux. Ah, tais-toi, pauvre petite vermine. Allez, aide-moi. C'est Shenzira. Je t'ai dit de te taire. Retourne auprès de ta mère. Ne t'inquiète pas pour Shenzira, je m'en occupe. Medjay Bayek! Va, allez! J'ai peur, papa, je veux pas rentrer tout seul. Oh, Kemu, pour une fois dans ta vie, ne sois pas lâche! Va! Medjay Bayek! Je suis bien le Medjay ici. Qui veut me parler? Range ton arme et suis-moi. Ça sent l'entourloupe. Viens. Ce n'est pas une bonne idée de me viser. Qui es-tu pour me donner des ordres? On n'a pas de temps à perdre, espèce de minable. Wow. Ah ouais d'accord, c'était prévu qu'on se fasse défoncer quoi. Ok. Je me suis fait quasiment one shot quoi. Au moindre bruit, tu es mort. Qu'est-ce qui vous a retardé? On a été discret, seigneur. On est resté dans l'ombre. Le faux oracle, là. Ouais. Il est d'une importance cruciale que nous accédions à la crypte. Les prêtres du temple s'entêtent à refuser de nous. Oh là là. Ça sent pas bon là. Medjay. En avant. Ah, ils ont notre gamin. Veillez à ce que personne n'entre. Kemu, tu es blessé. Vas-y, essaie à ta manière. Laissez mon fils en dehors de ça. Ton fils a quelque chose à t'expliquer. L'Ibis peut-il lui montrer l'orbe? Ah, c'est les cinq gars avec les masques, c'est ça. C'est une perte de temps. L'enfant est effrayé. Tout va bien. En tant que Medjay, tu dois connaître un indice ou une légende qui explique son usage. Je ne sais rien sur cette crypte!
Ah, par pitié, ne mêlez pas mon fils à ça! Seigneur! Le pharaon a été alerté. Il insiste. Nous allons être découverts, bête! Parle à ton fils. Si la crypte n'est pas ouverte à notre retour, tu ne le reverras jamais. Papo. J'ai fait ce que tu m'as dit, mais... Ah, tout va bien, fils. Non ? Papo, je peux te l'apporter. Non ! Kemo, non ! Ils vont nous faire du mal ! Kemo, il faut... Kemo ! Quelle perte de temps stupide ! Non, Kemo, Kemo ! Non, viens, viens, viens ! Parle ! Non, je ne sais rien ! Nous devons partir ! Je vais arracher le cœur de ce non, garçon ! Non, attends ! Il ne connaîtra jamais l'autre monde ! Non, je vais parler, je vais... Non, il veut gagner du temps ! Qu'est-ce que c'est ? C'est la folie! Le serpent considère que c'est ta réponse. Oh non! Ah, non! Kemo! 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 Oh là là. Sale histoire. On croyait que tu étais mort. Tu n'as même pas été capable de sauver ton propre fils. Tu n'es personne. Bayek de nulle part. Misérable père de personne. Et là, tu meurs au nom de personne. Violent. Puisse le cachet t'accueillir. Le seigneur de la droite t'attend. Ah là là, sale histoire. Je comprends qu'il soit enragé, notre cher Bayek. Bien joué, mon ami. Notre héros est de retour. Tu as ramené la joie, Siwa. Je dois partir pour Alexandrie. Il faut que je voie Aya. Allons, ne te précipite pas. Siwa a besoin de son Medjay. Ici, c'est toi le protecteur. Je suis toujours heureux de t'aider. Viens me voir quand tu seras prêt à partir. Nous boirons une bière à notre amitié, mon ami. Bon. Relique de l'oracle, objet de quête. L'ibis. Medunamun terminé pour ce monsieur. Et on est passé niveau 6. Nouvelle quête. Kamon t'accompagne. Parler. Prêt à quitter Siwa. Parler à Ebzefa. Alors on va regarder ça un petit peu avant. Prisonnier au temple. Ah, c'est ça qui s'est affiché tout à l'heure. Ouais, il va falloir y retourner alors. J'ai envie de faire toutes les quêtes au départ quand même. Aptitude, alors. Permis de passer dans le Green West, ça c'est moyen. En mode stationnaire, c'est nul, appuyez sur. Pour marquer un habitant, un ennemi ou un animal et suivre son chemin actuel, d'accord. Euh,
Vous pouvez équiper d'une deuxième arme. Je vais le prendre. Ok. Alors ouais, il y a pas mal de trucs à faire ici en fait. Prêt à te libérer, ouais, j'en ai libéré qu'un. Il y aura également ici qu'il faudra aller. Ça on l'avait pas fait, on verra après peut-être. Quête non suivie proche. Comment ça? Là c'est un point en fait de truc rapide. Je vais aller voir en haut si ça le débloque en fait. En y allant. D'accord, ouais, c'est ça. Il faut les débloquer soi-même. Synchronisation effectuée, déplacement rapide débloqué, d'accord. Z plus Alt pour essayer. D'accord. Saut de la foi. Celui-là, on le connaît. Alors, on va retourner au temple de tout à l'heure. Libérer les prêtres. Ah, je pense que c'est plus sympa. La première zone en plus, elle est assez courte, donc. Il est interdit de venir ici. On va essayer de tout faire. Alors, on va appeler ses nous. Ok, il y en a ici. Il y en a un là. Un ici. Ok, alors allons-y. Il y a quelqu'un? Soyez tous maudits. Ah, mais que... Tu vas bien? J'ai des plaies. Reste caché jusqu'à ce que tu puisses quitter le temple. Il reste quand même quelques gardes, hein. Ok. Bayek, c'est vraiment toi? Oui, les dieux soient loués. Nous devons arrêter cette folie. Cache-toi là, en attendant de pouvoir partir. Ok, sans c'est bon. Par la grâce d'un homme, ils sont tous là. Oh là, pardon les gars. Ah oui, ça m'a fait level up encore une fois, wow. Plein de choses à récupérer quand même ici. Bon, c'est de la thune, mais... C'est toujours ça de prix, hein. Tant que je suis là, je vais le faire. Un peu de cuir également. Bon, cool. C'est toujours celui-là mon meilleur arc, hein. Je vais le laisser. Et ici je peux choisir une seconde arme. On va mettre les dagues. Ok, ce qui veut dire que là, ouais voilà, dans l'inventaire j'ai accès. Oh.
Ça, c'est plutôt cool. Alors, un niveau de plus. Doublement des dégâts de l'aptitude surpuissance. Ok. On va prendre ça peut-être. Ok, c'est ça. Donc là. Ok, c'est chargé. Ça va pas être évident à utiliser ça, je pense, par contre. Alors, donc il faut aller ici, parler à Siwa, pas du tout, à Ebzefa. Moi j'avais envie d'aller où déjà? Alors ici c'est étouffé, il y a moyen d'explorer encore, je vais aller ici. Maudit paysan, rendez-vous utile. Je dois partir. Robin. Oh, que Dieu soit loué. Hors de mon chemin. Faites diversion pendant que je file. Bon, je crois que je me suis loupé, mais bon. Ah merde. Il y a tout le monde. Je pensais pas que... Ouais. Bon, on va se les faire. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, ça s'est fait aussi. Ok, il n'y a personne d'autre. Alors, on va aller là-bas dans un premier temps. Hein, mais que... Ah, j'ai l'impression que les gardes sont en alerte à moitié là. C'est pas grave. À quoi est-ce que tu joues? Vite. Lui, on l'a démoli, quoi. Hop. J'avais peur qu'il passe pas par-dessus, mais c'est bon. Ok, c'est juste là. Cool. Collier, ça se rapporte des thunes. Alors, où est-ce qu'il est le point là?
Ah oui, non, là c'est le point de déplacement rapide. Moi là où je veux aller, c'est juste là. Pourquoi il m'a indiqué ça ici alors? Ça c'est pas mal. Tiens. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu l'as trouvé, je peux le reprendre? Ah, c'était un truc qui nous appartenait. D'accord. C'était peut-être notre maison en fait. Jouer de Kemu, ouais, c'est ça. Ah, c'était notre maison. Bon, ok, l'épée est moins bien. J'aurais pu y aller avant, mais c'est pas grave. Bon, au moins c'est fait. Forgeron, écurie. Je vais aller voir ça, là, on est à côté. Comme ça, on aura le point. On va grimper par là. Je pense que ça va le faire. Ouais, et puis il y a un objet en plus. Ouh, qui est pas mal par contre. Qui est clairement mieux que ce qu'on a là. Enfin, clairement mieux, non, mais qui est un peu mieux quand même. Ça fait une belle vue. Ah, il y a un truc qui a été découvert ou quoi? Ouais, ici. On va y aller alors, du coup. Ouais, comme quoi c'est vraiment important d'explorer un peu tout le truc. Là, j'aurais dû y aller tout à l'heure, mais c'est pas grave. On va y aller. De toute façon, on n'est pas pressé. On va appeler notre fidèle dromadaire pour se balader avec lui, ça sera mieux. Oh, arrête-toi, arrête-toi, c'est bon, allez. Ah, les traces, elles se mettent bien dans le sable et tout. Je voulais regarder justement. Ah, c'est stylé quand même. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? Mon fils. Petit retour en arrière. Je voulais les étoiles.
Les cercles de pierre indiquent l'emplacement des dieux dans le ciel. Un jour, ton grand-père m'a dit qu'ils indiquaient aussi notre place dans ce monde. Je vais trouver tous les cercles de pierre. Le sphinx et les pyramides aussi. Et je trouverai ma place. Et tu auras les étoiles. Alors, interagir. Alors, qu'est-ce que ça va débloquer, ça? D'accord. Constellation. Papa, pourquoi il y a tant de pauvres chez nous en Égypte, alors que ceux qui ne sont pas d'ici sont riches? L'Égypte a oublié qui elle est. Beaucoup préfèrent la richesse à l'honneur. À la fin, les deux leur échappent. Et ils perdent la justice. Nous sommes des Medjay. Nous rendrons la justice et l'honneur à l'Égypte. Oh là, j'ai quitté le truc, c'est pas ce que je voulais faire. Le truc, c'est que j'ai pas eu le temps de lire ce qui s'est affiché tout à l'heure. Aligner les étoiles, voilà, il faut le faire. Chez nous en Égypte, alors que ceux qui ne sont pas d'ici sont riches. L'Égypte a oublié. Je crois que tout à l'heure je l'avais trouvé. Beaucoup préfèrent la richesse à l'honneur. À la fin, les deux leur échappent. D'accord, je peux faire pivoter. Et ils perdent la justice. Nous sommes des Medjay. Nous rendrons la justice et l'honneur à l'Égypte. Oui, mon fils. Nous n'avons pas oublié qui nous sommes. Nous sommes fidèles, quelles que soient nos origines. Wow, c'est quoi ce délire là? Aman, le roi des dieux. C'est pas ça? Divisé en deux formes. Amunet, la grande déesse. Ouais, c'est ça. Amon. Ça va sans doute débloquer des souvenirs ou des trucs comme ça. On verra. Ok, alors on va regarder la carte. Ok, déplacement rapide, maintenant on peut y aller. On va aller voir ce qu'il y a là. Faudrait peut-être que je mette un point par contre, sinon je vais me perdre. Ça va assez vite au final avec la monture. C'est hyper agréable en tout cas le monde ouvert comme ça sur l'Assassin's Creed, c'est vraiment excellent. Ouais, on y va vraiment vite, donc c'est cool. Lieu découvert, air de vautour. Ça nous fait gagner de l'XP en plus, donc on va pas s'en priver. Hein.
Ok, il y a quoi du coup ici? Tuer l'animal. Ah, d'accord. Il est où? Il va peut-être s'approcher du mec. Ah, ils sont là. Je vais me mettre là-haut. C'est lui là-bas peut-être. Après il me l'indique comme étant ici donc ok, c'était pas lui. On va peut-être les énerver un petit peu là. Ah, c'est lui! Yes, c'est ça. Cool. Au final, ça fait pas mal d'XP et... ça change un peu également. On a la monture qui est là-bas, on va repartir. Hop là, alors où est-ce qu'on va pouvoir aller? On pourrait faire tout le tour comme ça pour vraiment tout terminer. Un point de TP ici, il n'y en a pas. On va le faire. De toute façon, c'est aussi le but du jeu, clairement, d'explorer. J'ai pas du tout envie de rusher les quêtes en loupant la moitié des trucs. Et c'est tellement agréable dans cette ambiance de le faire que voilà, je vais pas m'en priver. Peut-être que je vais pouvoir prendre le bateau là. Tiens, on va voir. Ça sera assez fun. Ouais, cool. Ah, c'est énorme. Génial. Là. Bon, j'appellerai ma monture après. Nouveau lieu découvert, tanière des hyènes. Oh. Elle se barre. Va pas falloir que je tarde à aller vendre peut-être parce que... Non, ça se cumule, d'accord, excellent.
Il y avait rien d'autre à faire du coup ici. Tuer l'animal, si si. Ok, elle est là. Voilà. On va tous les dézinguer. Tiens là, j'ai mis un coup de bouclier en appuyant sur eux, peut-être sans faire exprès. Ouh, on a chopé une grosse arme. Voilà. Alors attendez, c'est quoi ça? À l'oracle Medunamun, moi, Zezemoknek, le nomade, serai tes yeux. Je prie pour que tu sois en bonne santé, je renue, je toujours renouvelé à tout point. Je continue à espionner et je forme l'espoir que les lâches qui ont fui Siwa, sans te verser de tribut, seront révélés puis capturés. Je te supplie d'envoyer des chasseurs pour me débarrasser des bêtes qui rôdent près de mon campement. Elles sont une vraie plaie, je prie chaque jour. Non, ok. Bon. Ben voilà. Hop là. Maintenant, on va enchaîner. On va aller là-bas. On va regarder l'arme qu'on a chopée aussi, tiens. Ah, une grosse hache à deux mains. Mais je l'ai pas fait ça tout à l'heure? Ah, c'est qu'il y en a plusieurs à faire. Ah mais ça, c'est pas du tout, c'est pas que dans cette région, il peut pas y en avoir 12 ici. Ça me paraît assez improbable. Ok, je vais pas pouvoir passer. Oh si, ça passe. Oh, c'est passé. Je sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Ok. C'est cool, comme ça on explore un peu la zone aussi. Non. Des bouquetins. Ah bah c'est là où on était venu, ouais, dans le passé. Ok. Ah, ils sont bien dans le petit oasis ici, les animaux. Tu m'étonnes qu'ils viennent ici tranquille. On va essayer de prendre de la hauteur. Alors, ça doit pas être lui.
c'est lui. Oh là. Beaucoup d'hyènes là quand même hein. Hop là, on va les esquiver. Alors, tuer l'animal, mais il est où ? C'est ça le truc. Il est là. C'est son pote qui a pris le pauvre. Ok, cool. Ah, toi t'es passé au mauvais endroit au mauvais moment. Ok, on va continuer. On va pas s'arrêter en si bonne lancée. Voilà. Alors, pointe d'Alma. Wow, les brigands. Comment osent-ils venir sur ce lieu sacré ? Pense à Charon ! Oh là là ! Ouais, je sentais qu'il fallait que je m'arrache quand j'ai vu la tête de mort. Il m'a défoncé là. Comment c'est possible? Piller le trésor. Il faut que je passe en furtif ici. J'ai pas intérêt à me faire opérer. Ok, il se bat contre une hyène, tant mieux. On va passer de l'autre côté. Derniers instants, pauvre fou. Oh là là, j'ai pas du tout le niveau. Je crois que le trésor est juste là. Ok, il va falloir les brains. Ok, on est à côté, c'est bon. Il suffit de passer par là en fait. Enfin, il suffit. Va falloir attendre que le garde se barre. Il y avait une entrée. Ok, donc lui, on va le laisser. Il me semblait qu'il y avait une sorte d'entrée tout à l'heure ici. C'est pas le cas apparemment.
Ah, il m'a mis une flèche, il m'a quasiment one shot. Hein. Ok. Oh, c'est passé. Génial, on se barre. Ils y ont vu que du feu, hein. Impeccable. Alors maintenant, ce que je vais aller faire, c'est prendre le point là-haut. Ouais, bon, j'ai pas besoin en fait, je vais pouvoir tracer comme ça. Ouais, ça va faire un bon truc d'escalade. Ce que je me demande par contre, c'est la quête là des pierres d'Egypte. J'ai l'impression qu'en fait c'est dans cette zone, mais on en a croisé qu'un sur 12. Ça me paraît quand même étrange parce que la quête est de niveau 5, donc bon. Je pense que c'est quand même éparpillé dans les régions. Le gars rigole pas du tout en escalade quand même. C'est plutôt bien fait d'ailleurs. Les positions qu'il prend sur les parois. Putain, c'est une genre de tyrolienne ou quoi ça? Merde! Ça va passer là? Ok, on va passer comme ça. Oh là, ça c'est le mur de fin de zone. C'est assez bizarre ça. Ça donnerait presque le vertige. C'est très désagréable ce bruit là par contre. J'aime pas trop ça. C'est le bord de map mais... ouais, j'aime pas trop. Par contre ici on va avoir une vue de dingue. Hein. Allez, tu vas y arriver. Wow. Cool. Excellent. Du monde mise à jour, perception de ces nuits accrues. Ça c'est top, ça va nous faire level up, ouais quasiment. En fait pour les pierres là il faudrait peut-être aller se balader carrément partout ici en fait. Mais ça, on verra plus tard, par contre. Tiens. On a dévoilé des points ici. Alors que c'est une zone bloquée pour le moment.
Faut avoir des gaufres là quand même. Et là, il faut avoir des mains solides. Et bien voilà. Il y a plein de trucs à récupérer ici en plus. Alors l'autre arme, j'aimerais bien la sortir voir. Ouh, je pense que ça doit être assez violent. Ok, du coup on a quasiment tout fait. Il nous reste ce petit point là. On va aller le faire. Et on pourra enchaîner avec l'autre quête. Alors là, ça rapporte énormément d'XP, donc je pense que c'est sur l'ensemble de la map. Hein. Clairement, sinon ça nous ferait prendre je sais pas combien de levels d'un coup. Quête annexe, ouais. On va s'occuper de ça après. Dans tous les cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'épisode 3. Ça fait un peu plus d'une heure. Ah, ma monture n'arrive pas. Bon, on est quasiment niveau 8, ça serait cool de passer le niveau avant de terminer, on va peut-être faire 5 minutes de plus. Je sais pas où est ma monture. Hein. C'est un mec à buter ou quoi? Je vais devoir être prudent. Quoi? C'est ça. Ok, il s'est barré. Oh! Tue le capitaine. Puis le trésor aussi, d'accord. Ah, on peut le piéger ça? Ok, du coup. Quoi? Hey! Toi, tu vas crever! Venez-vous! Venez par ici! Oh! Ouh, j'ai cru que j'allais planter sévèrement là. Ok, la zone bug. Alors on va changer d'arme ici. J'ai cru que ça allait être le gros plantage. Je pense qu'on en était pas loin. Il est là. Voilà, allez hop, niveau supérieur. Ok, cool. On récupère énormément de trucs. On peut placer des pièges, et ça c'est plutôt cool aussi. C'est ça, crève. Ça doit faire mal. Alors on a... Ouais,
J'aurais bien aimé récupérer un peu plus de matériaux, du bois et tout ça. C'est pas très grave. Du coup, on a tout plié. Cool, excellent. Ce que je vais pouvoir faire, c'est aller quand même vendre tout ce que j'ai, parce que j'ai énormément de choses à vendre. Ça, c'est clair. Et on pourra continuer l'aventure dans l'épisode 4. On va aller au forgeron. Ah voilà, je vais m'arrêter là. Ok, bon, on se quitte ici pour l'épisode 3. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Salut à tous.